fais pas, Julie, l'évaluation elle est simple. Ouais, tu dis ça parce que tu la passes pas. Normal, mais moi je participe à l'évaluation. Mais comment ça? Tu verras bien. Bon, je vais me préparer. Bonne chance pour l'évaluation. Bisous. Bisous. Salut, t'en veux? Non merci. Tu fais quoi? Tu révises? Ouais. Mais pourquoi? Tu te sens pas prête pour l'évaluation? Bah pas vraiment, donc je révise dans le doute. Mais c'est pas grave, c'est des travaux pratiques, hein, et puis on est ensemble. Ouais mais bon, si on rate... Mais on va pas rater, hein. Ah, on y va. Tenez, buvez. C'est quoi? Buvez-le, perdez pas de temps, c'est pour l'évaluation. Ok. Tiens. Merci. Rentrez maintenant. C'est bon, je les ai enfermés dans la salle. L'évaluation peut commencer. Putain, mais qu'est-ce qui se passe? Il est où le professeur? Mais j'en sais rien. Bonjour Xavier. Bonjour Julie. Bienvenue à l'évaluation finale de vos études de sciences. Vous allez réaliser des travaux pratiques. Vous venez d'être contaminé par un virus extrêmement puissant qui agira dans exactement 2 heures. Vous allez devoir réaliser l'antidote. Si vous échouez, vous aurez 0 sur votre moyenne et vous allez mourir. Bonne chance. Mais c'est quoi ce putain de délire? T'en fais pas Julie, c'est sûrement une blague ou quelque chose du genre. Mais c'est pas une blague. Mais tu penses vraiment qu'il nous contaminera avec un virus? Arrête de te prendre au sérieux, t'es vraiment naïve. Mais t'as entendu ce qu'il vient de dire ou pas? Mais c'est faux, c'est sûrement un truc qu'ils nous ont donné pour, je sais pas, mettre de l'ambiance dans l'évaluation. Mais non, mais moi je suis sûre que c'est un virus, c'est une intuition, et puis même t'as pas trouvé qu'il y avait un arrière-goût dans ce qu'on a bu? Je sais pas, moi, je connais pas les goûts des virus, hein. Bon, là c'est pas la question, là faut qu'on réalise l'antidote. Mais j'ai très peu de connaissances sur ton antidote, et puis on sait même pas c'est quoi ce fameux virus. Attends, il a dit qu'on allait avoir 0 dans la moyenne, là. Oui, et alors? Mais moi je vais me faire engueuler, j'ai pas envie d'avoir 0. Mais tu vas pas te faire engueuler? Mais comment tu peux le savoir? Mais parce que tu seras morte! Oui, mais j'aurai 0. Qu'est-ce que tu connais le principe d'un décès en fait? Mais moi j'ai pas envie d'avoir 0, comment on va faire? Ok, t'en fais pas. Tout ce qu'il nous faut c'est un montage rythmé, une musique dynamique et des plans sympas, ok? Hein? Fais-moi confiance. Je crois qu'on a réussi. Oh yes! Yes, 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 yes! Oh, je savais qu'on pourrait réussir. Oh, on va pas avoir une mauvaise note. Heureusement que j'ai révisé juste avant, parce que sinon on n'aurait pas réussi. Et heureusement que t'étais là pour m'encourager, parce que sinon on n'aurait pas réussi. Mais bon, on a réussi. Et on va pas avoir une mauvaise note. Bon, on le voit? Maintenant? Bah oui, il reste beaucoup de temps là. Je suis vraiment désolé en fait, je... Putain, on va mourir. Bah non, moi je vais pas mourir. Quoi? Bah c'est mon antidote. On risquait d'échouer, Guillaume m'a aidé à tricher. Il m'aime assez pour ça. Le reste? Donne-le-moi. Non. Donne-le-moi. Ah, putain. Tu vois que c'était pas une blague? Moi, je sais reconnaître le goût du virus. Ah, oh, monsieur, vous êtes là? J'ai réussi, je vais pas avoir 0. Excellent travail, Julie.
vous donne ça, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci. Moi, je vais m'occuper du cadavre en attendant. Vivez ça.